Et bonjour à toutes et à tous, nous voici maintenant pour la suite de Diablo, la suite. Alors, la suite de Diablo, la suite, ouais, c'est très français. Excusez-moi, 2 minutes, j'ai cru que j'allais encore éternuer, mais ça peut encore arriver. Donc, désolé, par contre, je vais me moucher, ça va faire un peu de bruit. Alors, comme d'hab, toujours pas de son. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la partie précédente? Alors, déjà, on s'en est mieux sorti que la dernière fois, que la partie 7. Là, on a. Dans la partie précédente, on a. Alors, je vais juste faire un truc vite fait. Le son va être coupé. Je m'envoie. Je suis désolé. Alors, c'est tout à fait normal. Je vais juste baisser le. Ah, bah, le son du jeu est déjà baissé, au fait. C'est moi. Donc, pour faire simple, je vais. Dans la partie précédente, on a. Trini l'attaque. Qui était un PNJ qui était ici, mais qui était au fait un traître qui a donné la relique. Une relique spéciale. Pour Baal, pour qu'il puisse atteindre le mont Ereat. Et en atteignant ce. Enfin, en ayant cette relique, en fait, il est pas obligé de passer par les anciens. Donc, du coup, là, en fait, on est littéralement on est en train de le poursuivre. Alors. Je dois vous avouer que. Là, pour le moment, je sais pas comment ça va se passer parce que les boss des trois. Les trois anciens sont assez vénères. Dans mes souvenirs. Donc, là, c'est parti. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de boss, je crois. Je vais pas avoir un moment. Ah putain, ce nom est trop long. Donc, on va continuer la route. La route est par là-bas, je me dans mes souvenirs, on l'a fait hier. Ah ouais d'accord, la piste des glaces c'est aussi long comme c'est une caverne. Ça c'est des niveaux 1 ça. Ah là qui est le dernier temps qui sait. Ouais, j'ai pas regardé aussi pour les mods, j'ai dit que j'allais le faire avant le stream, mais j'ai. Pour vous dire, j'ai eu un peu la flemme. Donc si je me plains, ouais, j'ai plus de place dans l'inventaire, bah, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je peux en prendre qu'à moi-même. Pas souvenir qu'ils faisaient si mal. Hein. Normalement, il y a un portail, je crois, ici. Ouais, il y a la suite, là.
Mais bon, comme d'hab, moi j'explore pour pouvoir monter de niveau, pour pas être surpris. La toundra glacée, ouais. Elle est où l'ombre là, là? Merde. Parce que j'ai eu un message, donc je regarde et puis je vois que je fais le con. On a vite trouvé la sortie. Elle a posé le piège qui a explosé le cadavre, mais je suis pas sûr, ça, j'ai l'impression que ça a fait exploser les mecs de glace là. L'ombre elle a disparu, je sais pas pourquoi. Putain, elle a été stepée là, je vais la reperdre. Ah, des champions là. J'ai 1400 or. Ça, c'est la première fois qu'il y a des mobs qui donnent autant d'or quand ils sont. La caverne du Yeti, il y aura après. Il y aura un boss. Sympa les barbares gelés là. Il y a un boss en moi. Les quarisseurs, très fort, résiste magique. Ça va, pas efficace. Par contre, il donne un bon anneau là. Je suis trop chargé. Il y a une pierre qui a été donnée. Ouais. Bon, est-ce que je suis vraiment trop chargé? Ouais, un peu même. On va continuer d'explorer un petit peu. J'aime bien les barbares gelés là. Ça fait stylé. Par contre, très fort, ça va. Hein. Bon, j'ai ramassé la clé, mais bon, c'est pas grave, ça s'en rendra au pire. Ah, ils sont vachement résistants au poison par contre. J'ai vu que le poison a pas duré longtemps. Je vous avoue, je sais pas à quoi il sert ce portail ici. Bonjour. «
Salutations. À votre service. Ouais, c'est quelle ça? Ouais, c'est pas pour moi ça. Attends, on va regarder. 3,28. T'as pas des trucs plus intéressants pour elle, toi, à côté, toi? Toujours pas porter ça, faut 80 en force. De toute façon, je pense que là, j'ai combien en force là? Ouais, je pourrais pas encore 80. Merde, c'est si, hein. Ouais. Bon, on va aller à la caverne du Yeti là. À mon avis, il y a un boss en avant. Va disparaître, sûr et certain. Bon, la caverne du Yeti, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est une grosse salle ou c'est une petite salle? Forcément, il va y avoir un boss en Yeti. J'ai cru que ça allait jamais sortir le sort. C'est assez costaud ces meubles hein. Après c'était des boss aussi. Oh c'est quoi ça? Pierre de Jared, c'est plutôt stylé.
Oh. Putain, fait chier. Ignore les défenses de l'adversaire. Wow. C'est plutôt stylé. Ouais, par contre, je ferais pas si mal avec, mais... Wow. Ouais, intéressant comme arme. Qu'est-ce que j'avais prévu d'augmenter? Ça, je l'ai pas augmenté au fait, ça. Faudra que je l'augmente un petit peu. Tout mettre sur la force. C'est quoi la différence entre l'huile et... Ouais, c'est un truc explosif, quoi. Je sais vraiment pas s'il y a des gars qui jouent avec ça, les fioles explosives. Ça doit être un truc assez marrant, quand même. Je crois que le barbare, il a un truc comme ça. Je sais que le barbare, il a une compétence dans mes souvenirs, si je me trompe pas. Tu peux jeter des objets sur les ennemis. Mais ça abîme fortement l'arme, je crois. Il y a une histoire comme ça. Tu vois, elle est disparue, on sait pas pourquoi. Putain, fais chier. Hein. Pas m'amuser à la remettre à chaque fois. Hein. Bon, on va à la toundra. Ouais, je suis plein. J'ai pas vu ce qu'il y avait là-bas. Y'a rien d'intéressant. Je vais pas attendre qu'il se relève. Hein. Oh putain. Je pensais pas les revoir. Marrant qu'on les sauve, ils sont juste là. Putain, on va. Y'a que ça comme ennemi ici. T'as déjà une plaie à frapper ces trucs là, je les aime pas, ces ennemis ils sont pas intéressants. C'est une plaie à combattre ces trucs, c'est... Je sais pas... Ah, quand t'as un qui se barre, t'en as d'autres qui pop derrière. Autant tu vois l'extension elle est cool mais tu rends beaucoup tu vois. Ça fait plusieurs fois que je fais dans ces niveaux là, tu tombes plusieurs fois sur des espèces de petits lutins à la con là. Pas d'autres ennemis plus intéressants quoi. Ça serait plus intéressant s'il y aurait d'autres types d'ennemis quoi. Casse-couille, il se TP à chaque fois quand il se barre, alors... Hein. Oh,
J'aurais peut-être pas dû, parce que j'ai perdu mon bonus en XP. De plus. Je suis déjà plein, ouais. Bah écoute. Hein. En quoi puis-je vous aider? Bonsoir. Bonsoir. Putain, 10 000. 31 de défense. Vous avouez que ça m'emmerde parce que là... Après, elle me donne plus de bonus intéressants, mais... Hein. Je perds beaucoup en défense, attends. Ouais, tant pis. Hein. Parce que bon, je vais pas cracher sur de la défense, sachant que mon perso est un peu fragile. En plus, ouais, bah, allez, comment ça se fait que j'ai autant de place? Lol. Par contre, vas-y, on va parier un petit peu. C'est un casse-tête de mort. Bon, une dernière fois. On va acheter des potions. Par contre, du coup, maintenant, j'ai plus de place pour les potions. Moi qui voulais une armure, une ceinture qui me donnait plus de potions d'emplacement. Je suis servi, on va dire. Si je m'écoutais parler, je vais me dire des conneries. Énervant! Convertis pas les ennemis que je tape! Thank you.
arrivé là, les ennemis qui étaient en explosion là. Les kamikazes là qui transforment, là, les ennemis qui transforment en kamikazes, je l'ai explosé en glaçon, il m'a fait dégager. Hashtag triche. Ah mais putain, c'est relou, sérieux. Je sais pas moi, l'IA, elle a pas une once d'intelligence, sérieux. Je suis en train de taper un ennemi, elle convertit l'ennemi que je suis en train de taper. Plus ça dure vachement la conversion. Autant c'est bien quand il y a plein d'ennemis, mais là quand on a pas beaucoup, ça sert à rien quoi. Va faire ça ailleurs. C'est dingue ça. Oh, c'est énervant. Alors lui, il est arrivé, il s'est fait éclater. Que des nains comme ça quoi. Ça c'est tac, c'est de la merde. C'est tac, c'est de la merde sur le niveau de ces endroits là. Et puis l'autre là qui est avant, bah, juste avant d'entrer dans la grotte de glace. Y'a que ça comme nous, y'a que ça. Niveau variété, on a vu mieux quoi. Viens là, sale connard. Putain. Toujours à courir ces mobs. Les seuls ennemis supplémentaires qu'il y a, c'est les bêtes de choc. Mais les bêtes de choc sont obligées d'être là-dedans, entre guillemets, parce qu'il y a ces putains de lutins. Oh, il n'y a rien de palpitant. Y a, là, franchement, niveau mob, on a vu mieux au niveau de la... Au niveau, comment dire, de la variété, là. Après l'acte est stylé, hein, il est cool, il y a des bons moments, tout ça, hein, mais là franchement, niveau variété ennemie, je trouve que c'est celui qui est le plus feignant. Je trouve qu'il est feignant. J'aime bien avoir un bestiaire varié dans mes jeux. Avec catapulte.
Là, en fait, le problème dans ce niveau, dans ce jeu-là, c'est que les ennemis vont varier. Les variétés des ennemis se font dans les. Bah là, ici, dans les espèces de châteaux, là. Après, au moins, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le jeu, il est palpitant quand même. Ça fait quand même. C'est quand même de l'action non-stop. Ouais, c'est le principe aussi d'un Hack and Slash. Mais bon, après, je pense que c'est aussi les limitations techniques. C'est les limitations techniques de l'époque aussi. Donc, c'est fou avec ça. Je sais que je suis un peu exigeant sur certains points. Mais moi, j'ai toujours trouvé intéressant d'avoir des ennemis variés dans un jeu, en fait. Pour éviter la redondance, en fait. C'est simple que ça. Et là, non, je sais pas, ça fait plusieurs actes qu'on bousille du gobelin, là. Un fucking. De plus. C'est sérieux, une porte pour ça. En plus, ce qui est énervant avec ces petits mobs, c'est qu'ils se barrent à chaque fois quand tu les tapes. C'est des mobs distance, c'est normal, on va dire. Mais bon, y a rien de palpitant là-dedans. Je sais pas, ouais, je deviens peut-être vieux con, mais c'est pas ça, quoi. Tout à l'heure, dans cet acte-là, j'ai l'impression que tu niques que des gobelins, quoi. Ah, j'ai plaisir à vous revoir. Tu niques que des gobelins. Puis moi, je trouve ça pas... Enfin, je sais pas, c'est parce que j'aime bien avoir un bestiaire varié. C'est peut-être comment pas possible, hein, mais... Enfin, voilà, c'était mon petit avis, un peu coup de gueule, sur Diablo 3, Diablo... Pas en vouloir au jeu non plus, il est vieux aussi. Hein. Bonjour. Bonjour. Bon, le jeu il est vieux, mais il est bon, il est toujours aussi bon par contre. Ça c'est pas. C'est indéniable. C'est sans défaut ça. Non. Un crâne pur. D'accord. On obtient un crâne pur quand on... Ah, j'ai plus d'améthyste. Donc là, c'est une topaze sans défaut. Bah, par contre, tout à l'heure, j'ai entendu, il y avait une rune qui était tombée, là. Une rune, voilà.
Bonjour. Bonjour. Sur le coup, je dis merde, elle a beaucoup de trucs à parier, mais non. Ça serait possible. Je sais pas si c'est possible de tomber sur des légendaires là-dedans. Ça m'est jamais arrivé, honnêtement. Ah si, ça m'est déjà arrivé, mais juste en vert, mais un légendaire vraiment comme ben là, enfin le celui noté gris là, une espèce de couleur grise marron là. Je sais pas comment décrire la couleur, je sais pas ce que c'est comme type de couleur. Parie un peu. Merde le con! L'autre elle a pas un... Oh, c'est beaucoup plus intéressant pour toi. Par contre j'ai revendu mon bouquin, merde. L'aurais pas par hasard. Tu vas me la revendre plus cher forcément. Ah non, bah forcément elle l'a pas. Attends, c'est quoi le nom de l'arme là? Vociférante, j'ai lu Vélociraptrice. Ça va pas, hein. Niveau potion, on est con. Ouais. Ouais, je. Voilà, bah, il aurait dépensé du potion. 1, 2, 3, du pognon inutilement. Bon, c'est rentabilisé, on va dire, lol. Maintenant, ils diront à quoi ça sert les raccourcis là. Moi je trouve que c'est un mec qui a pas l'habitude. C'est plutôt utile. Hein. Je sais pas si ça a été fait dans les. Il y a des gens qui sont pas habitués à ce genre de jeu. Il y en a qui pensent pas non plus à tout. Hein. C'est encore facilement critiqué par certains types de joueurs. Même pour dire quand je vendais à l'époque, quand j'étais petit, j'utilisais ces boutons là. Donc. Non, il est empoisonné. Normalement, il y a un portail ici. Après, il y a des beaux décors celui-là. Hein. Je trouve qu'il est joli au niveau des décors. Je le trouve un peu moins fouillé que certains niveaux de l'acte. Hein. Par exemple, pour revenir vite fait sur la jungle, le début je le trouve hyper fouillé. Mais après, ça reste tout ce qui est la cité, tout ça, je trouve ça bien fait. Le désert, bon, c'est classique et c'est pas mon acte préféré. Mais, alors que quand j'étais petit, c'était là que je voulais absolument aller. Mais ça peut être ma tasse de thé quand je l'ai fait. Je dirais que mon premier c'est l'acte 1. Je trouve que l'acte 1 on a vraiment le côté gothique. On a vraiment ce côté gothique dans l'acte 1. Après le côté gothique on le perd pas, hein. Il est toujours aussi sombre. C'est ça qui est bien. Dans cet acte là, ce que j'aime moins en fait, hormis ces petites merdes que je disais tout à l'heure. Je dirais que c'est l'endroit où Yanni l'attaque, hein, les décors, une espèce de grosse grotte à la con de château là. J'ai pas trouvé ça dingue en vrai. C'est grossier je trouve le décor chez Yanni l'attaque. J'imagine quand même, c'est un Diablo avec le dynamisme de Diablo 3. Diablo 3, faut voir ce qu'il c'est, hein. C'est super dynamique comme jeu. Hein.
j'imagine bien un Diablo avec le Diablo en mode Diablo 2 avec un méga dynamisme. C'est juste dommage, je vais revenir encore une fois dessus, mais c'est juste dommage que Diablo 3 n'a pas eu la personnalisation. Je pense qu'ils ont voulu faire le jeu dans ce délire là pour pas perdre les joueurs. Pour pas qu'ils perdent les joueurs. Les joueurs qui sont casus qui vont redécouvrir le joueur. C'est toujours un truc aussi, hein. Faut aussi quand même dans certains jeux. Faut quand même dans certains jeux faire en sorte qu'un joueur puisse s'amuser sans prise de tête. C'est ce qui est reproché dans certains jeux, hein, comme les jeux de baston. Baston, il y en a certains qui disent que ouais, le baston est casualisé, c'est moins compliqué qu'avant, ça facilite le bourrage chez certains personnages. C'est oui et non, hein. De toute façon il en faut pour tous les goûts dans un jeu de bagarre aussi, hein. Après il faut que le jeu soit bien fait aussi. Mais ils disent que Soul Calibur c'est casualisé comme pas possible. Moi personnellement je dois vous dire que je ne sais pas trop parce que moi Soul Calibur quand j'ai joué ça... Je savais pas GI avant, faire des GI tout ça dans les autres épisodes. Pour moi en soi je sais pas si c'était plus dur ou mieux qu'avant. Donc là pour le coup là je ne saurais pas vous expliquer. Qui casualise les jeux, enfin, hein. Les jeux il faut en faire pour tous les jeux, hein. On voit certains jeux indés qui sont méga durs entre guillemets et puis ça il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien, il y a un large catalogue de jeux sur le style, c'est ce que comprennent pas certaines personnes quoi, tu casualises une de tes licences préférées et t'aimes pas. Bon, c'est sûr, je suis le premier à râler sur Diablo 3 avec la casualisation des sorts, des compétences. Mais ça m'a pas empêché de le faire. Merde. Mais moi ce que j'aime bien par rapport à Diablo 3 c'est qu'ici tous les persos ne sont pas strictement identiques quoi. Je pense que bah après il y en a certains qui auront les mêmes persos que d'autres parce qu'il a suivi un guide quelconque tout ça. C'est ça aussi qui est bien aussi, hein. Si t'es pas habitué au jeu, si t'es pas habitué à ce genre de jeu, tu peux toujours regarder des guides. Hein. Tu peux toujours regarder des guides, que ce soit dans des hack and slash ou autre. C'est ça qui est bien, t'as toujours des mecs qui font des guides aussi pour la commune, pour aider les gens, ça c'est cool. Moi-même j'en fais partie, je fais quelques guides, là, à l'heure actuelle où je parle, là, j'ai sorti un guide sur Salté Sanctuary, donc guide du débutant. Même si le truc il a 5 ans, j'ai vu qu'il n'y a pas un seul guide FR. J'ai regardé, j'ai un peu regardé dans le lot, les seuls guides qu'il y a, c'est des guides en anglais. J'ai sorti un petit guide du débutant. Si ça peut toujours aider, ça peut toujours aider. Et puis là, je prépare un pour les boss. Il y a 3 vidéos de boss qui sont capturés. Il y a un peu plus de taf. Tous les boss sont capturés au niveau du boulot. Mais le montage n'est pas fait. Enfin, le montage pour tous les boss n'est pas fait. J'en ai fait que 2, que 3. Là, le prochain, je vais bientôt attaquer le 4ème. Peut-être demain, à l'heure actuelle où je parle. C'est bien que demain, j'ai tout à faire entre deux. Mais... On va bien voir. Ah bah je veux le portail. Oula. Thank you.
Oh. C'est de la merde. C'est de la merde. Pour courir plus vite. Est-ce que je cours vraiment plus vite avec ça? Qu'on rigole un coup. Ah ouais, ouais, on court plus vite. Mais pff, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Par contre, elle a une bonne résistance au feu. Faut pas cracher dessus, mais... Tu vois, c'est ça que j'aime pas avec ces mobs, c'est que ça se bat en courant. Les bottes, c'est une fois. Ouais, enfin, je sentais plus avec le boss. Je suis trop chargé. Comment ça, t'es trop chargé? Regarde. Tu viens de dire que t'as pas de place pour. C'est un glaive, ça! Ça ressemble plus à une lance. Il est immense l'endroit. Hein. C'est le chemin de quoi là? Chemin des anciens. Que puis-je pour vous? Répare-moi ça et prends ça, ça, ça. Merde! Oh putain, putain. Tu veux pas me le mettre à ma place que je veux, espèce de sale connard. Mais c'est pour optimiser bon votre place. Je sais, mais j'ai pas envie. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, hein. Il faut savoir. Hein. Le mec qui chipote. Elle dit quoi si on dit divers? Lorsque j'étais enfant, les patriarches nous racontaient des histoires sur la montagne, sur sa puissance. Et sur la mission du peuple barbare qui a juré de la protéger. Baal ne se contente pas de nous voler notre terre. À chaque pas qu'il fait sur la montagne, il nous vole un peu de ce qui fait notre peuple. Il y a revendre un bouquin. Ce que je reproche par contre sur un autre jeu que j'ai joué, c'était j'ai dû en parler, c'était avec la gestion des samouraïs de Throne of Darkness, les ennemis respawnent pas. Ce qui est chiant, c'est que quand tu voulais farmer dans le jeu, bah tu pouvais pas farmer avec d'autres personnages quoi. Quand t'avais une classe qui était loin de monter en niveau, ben t'étais dans la merde. Genre une fois, à un moment, je voulais monter mon sorcier. Mon sorcier était niveau 3. Du coup, j'ai essayé de farmer des mobs super méga vénères. Bah ben, j'ai pas eu... Je pouvais pas le faire. Littéralement parce que mon perso était trop monté. Ça a pas fait pop de boss, là. C'est le chemin des anciens, je présume, ça. Pourquoi je peux pas rentrer? Si j'ai peur. La mort, l'œil spirituel. La mort est morte. Des crèves. Normalement, bientôt, ouais. Si tout se passe bien. Parce que là, je t'avoue, là, je vais affronter les trois anciens. Je suis un peu sceptique, hein, parce qu'il y a des certains mobs, c'était assez vénère quand j'ai fait ma route dans les parties précédentes. Mais bon, là, on va bien voir. Puis si j'y arrive, ça sera peut-être la première fois que je vais... Peut-être que ce sera aussi la première fois que je tue Baal. J'ai jamais réussi à la base. On va bien voir, avec l'assassin.
Mais là, j'ai un bug avec l'ombre qui est avec moi, là, de temps en temps, elle disparaît et elle est plus avec, moi. Elle se tue tout seul. Par contre, elle utilise des compétences que je vais jamais utiliser, ça c'est cool, ça. Tiens, d'ailleurs, il faudra que... un jour, on passe vite fait en vocal. J'ai vu que j'étais maintenant affilé Twitch. Y a des trucs, j'aurais besoin d'un coup de main. Quand je décierai de passer devant, là, parce que là, je vais... Là, cette semaine, peut-être pas cette semaine, parce que jeudi, normalement... Enfin, jeudi, normalement, si le TL... si c'est maintenu, le TL, jeudi, je restream. Je vais restreamer l'event des Dark Love. Je suis dispo de maintenant à 17h30. Ouais, bah y'a pas de problème. Ouais. J'essaierai de voir quand suivant mes dispo aussi. Hein. Parce que là, après le là, après ce stream là, je pense que je vais continuer de monter mes prochaines vidéos. Là. Ça prend pas trop de temps à travailler, mais c'est. Et en ce moment, je suis en train de monter des guides sur Sanctuary Sanctuary. J'en ai monté 3. J'ai monté la dernière fois là. Et là, bah, on verra bien. Faudra que je regarde aussi pour mon retour du rôle. Quand je vais jouer à Soul Calibur, je vais débrancher un écran. Saïwan dit que ça serait peut-être dû à l'écran, mais ça me paraît bizarre. Je pense pas que ça soit ça. Hier j'en ai eu un de retour bureau mais j'avais mis l'écran mais c'était pendant que j'étais en train de... pardon, de faire ma cuisse tout. Je sais pas à quoi c'est dû, hein. Sur les autres jeux j'ai aucun problème. Sur les autres jeux j'ai aucun problème. J'ai jamais eu un retour bureau sur Diablo ou sur le dernier jeu que j'achète en ce moment, le Soul Like là. Le Pascal Weber là. Et... jamais eu ce problème là sur les autres jeux. C'est bizarre, hein. La dernière fois, j'ai joué un petit peu à Street Fighter. Pareil, Street Fighter, aucun problème. Street Fighter, je suis la pire merde du monde. Alors, ouais, je joue avec. Alors, je joue pas tout le temps avec. Mais j'en ai une là. J'ai celle-là là. Les lames de glace. Je joue avec, mais. Pas à 100%. Parce que là, en fait, ces ennemis là, je t'avoue qu'ils m'énervent. Et je réduis la défense. J'augmente ma défense pour les taper. Et puis, je pense pas non plus à tout le temps à un mec. Des charges dedans. Je sais qu'il y en a qui jouent avec une attaque dragon et une attaque. Un truc avec des charges. Mais en fait, j'ai peur que mon perso soit trop long en fait. Donc, du coup, en fait, là, ce que j'ai vraiment monté, je vais le montrer juste après. Et que j'ai... Ah, ça m'énerve par contre. Tout convertit mes ennemis là. Je vais taper lui, il va me saouler lui. Voilà en fait ce que j'ai monté chez l'assassin. J'ai monté les griffes là. J'ai mis à 10. Là je suis en train d'augmenter un petit peu ça. Manteau des ombres. Là j'ai augmenté ça un petit peu aussi. Là je suis en train de monter la maîtrise des ombres. Dans les pièges j'ai augmenté que dalle parce que ça m'intéresse pas tout simplement. Arts martiaux, j'ai monté ça parce que j'ai vu dans un guide qu'il y avait que ça qui fonctionnait bien pour les deux griffes. Deux griffes, pourquoi, je sais pas. Est-ce que ça pouvait être ça aussi, la frappe du phénix ou autre. Je sais pas.
Donc voilà, c'est comme ça que je joue l'assassin. Après, c'est la première découverte, hein, c'est entre guillemets la première fois que je le joue. Mais je l'ai déjà joué avant, mais pas trop sérieux. Je le joue en mode pour découvrir ses sorts. J'ai jamais été jusque là, de toute façon, avec l'assassin de base. Tu peux stacker deux charges directes. D'accord. Oui, bah ouais, pour ça, ouais, je vois là quand je tape là, je. J'ai eu le symbole bleu. Les charges physiques, c'est lesquelles au fait? C'est ceux-là là. Les cerfs-dragons. Parce que ça, je crois que c'est ce qui enclenche les charges, ça. Parce que ça, ça dit. Les coups libérer votre attaque. Utilisez qu'avec des griffes ou à main nue, terminé par une attaque dragon ou normal. Ah non, mais non, il y a ça, les trucs là, là. Mais ça, je crois que c'est pour qu'une frappe, ça. Parce que ça, apparemment, c'est que pour une griffe, ça. Pour ça, moi, j'ai regardé un guide qui disait qu'il fallait plus partir sur des trucs comme ça, en fait. C'est soit une griffe, soit deux, d'accord. Ça, c'est plus pour deux griffes, ça, au fait. Mais tu le vois à quoi que c'est deux griffes, au fait, dans le... Parce qu'il n'y a rien qui mentionne... qui dit avec une griffe ou... Ah, attends. Ne s'utilise qu'avec les griffes. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, là, il n'y a rien qui dit ne s'utilise pas qu'avec... ouais. Autant pour moi, c'est moi qui lui mal. C'est pour ça qu'au fait, je suis parti sur ça, quoi. Parce que là, ils disent pas si tu utilises qu'avec une griffe, c'est aussi bien avec une autre arme, apparemment. Utilise vos deux griffes. Bah, tiens, j'aurais dû peut-être partir sur ça aussi. J'aurais peut-être dû partir sur ça. Parce que ça utilise mes deux griffes. C'est un peu con. Après, je peux toujours augmenter plus tard, hein, mais... Je ne peux rien porter de plus. Mais si, tu peux porter des trucs. Hein. Ah, il n'y a pas de place. Ah, par contre, j'ai pas fait hier, je vais bientôt monter de niveau. C'est quoi, Stark? C'est de la merde. En fait, dans l'absolu, tu peux jouer toutes les compétences avec une ou deux griffes. Maintenant, certaines compétences comme les charges élémentaires, le finisher, griffe dragon et ton passif pour bloquer se jouent mieux à deux griffes. D'accord. Mais tu m'avais dit que t'étais un sorcier, toi, au début. Toi, tu jouais une sorcière. T'as joué un peu l'assassin, du coup, Diablo. Parce que après moi en termes de jeu sur Diablo je suis vraiment un type casu, hein. Je me connais pas trop sur les compétences, les builds en particulier à mettre quoi. Je sais au moins sur quoi partir s'il faut partir sur de la dextie ou de la force. Suivant le build bien sûr, moi je sais qu'il faut que je parte avec de la force et de la vita avec l'assassin, pas de points en magie, enfin en mana. Tout dépend du stuff que t'as en fait. Si t'as un meilleur bouclier que t'as deux griffes, c'est mieux de jouer avec une seule griffe et bouclier. Du coup, t'as pas besoin d'augmenter le passif du bloquer en double. Ouais, j'avais fermé un assassin vers le niveau 80. Ah ouais! Donc t'es quand même connaisseur sur ces classes là quoi. Là, par contre, là je me bats tout seul. Au secours! Que font mes collègues? Ah, ah. Je vais mourir. C'est en train de se faire bolosser à côté les ennemis là, les... Ils étaient partis se taper sur quoi là? Vous avez rencontré quoi sur votre route là? Bah voilà. Et ta main classe, c'était quoi, Tadlos? C'était une sorcière, du coup? Moi, c'était nécromancien. Nécromancien invocation. Rigolo.
T'as tout fait. Ah ouais, donc ouais, t'as une grosse connexion sur le jeu quand même. Et quand tu vas reprendre, quand tu vas rejouer à la version HD, tu vas partir sur quoi du coup? T'as quand même une classe de prédilection. T'as quand même une classe de prédilection dans le jeu. Paladin puis Nécro. Et enfin un sorcière, d'accord. T'es trop... Ouais, t'es assez versatile, quoi. T'es assez versatile. Salutations. Salutations. Ouais, tiens, grand-mère. Tiens, tu filmes-moi ça. J'ai de la merde. Merde, le con. Je suis con, ça fait 3 fois aujourd'hui. 3 fois que je revends le bouquin sans faire gaffe. D'ailleurs, question. Enfin, le palouf, c'est pour le teamplay, le nécro, c'est quand j'ai la flemme, d'accord. D'ailleurs, une question. Il y a un personnage, à un moment, il m'a permis de donner un nom à mon arme. Ça fait rien, c'est juste esthétique. Ça fait rien d'important. Et la sorcière, c'est pour farmer les items. Oui, c'est juste esthétique. Par contre, tu pourras trad avec. Tu pourras pas très... Ouais, bah ça, après, je m'en fous. Ça, c'est pas... Comme c'est pas multi, elle. Parce que regarde, j'ai donné un nom à ma griffe. Morsure de soufre de Géraldine. C'est génial. Par contre, j'ai toujours pas fait le truc pour sortir parce que je sais qu'il faut attendre. Enfin, j'avais lu dans un guide qu'il fallait pas trop... sortir dès le départ. Fallait attendre un petit peu. Pour ça que je les conserve, mes gueules. J'ai pas mis des games sur mon perso. À votre service. À votre service. C'est comme la quête du marteau Radrim. Hein. J'ai toujours pas fait. Et d'ailleurs, ça fait. J'ai pas. Les quêtes sont pas validées. J'ai pas encore enchanté sur le marteau Radrim. Puis-je vous aider ? Parce que moi, on m'avait dit, ouais, il faut faire ça plus tard. Donc du coup, bah moi, comme un bête et con, j'ai écouté. Bon, est-ce que tu peux me donner un objet rare en pariant ? Une griffe rare, s'il te plaît. Moi, j'ai sorti direct pour avoir du mana en plus après chaque mort. Ah bah ouais, bah après, voilà, c'est suivant le... Moi, je t'avoue que je, pour le moment, comme je me sers pas trop des games, pour le moment, je suis pas trop... Pour le moment, je suis pas trop intéressé. Si tu pouvais enlever les games, ça serait bien. Comme dans Diablo 3, parce que même si Diablo 3, je suis pas trop fan, il y a quand même des mécaniques intéressantes. Rien que le fait d'enlever les games, c'est bien. Bon, y'a rien d'intéressant. Oh. Portail est ici. J'ai utilisé un portail, l'autre il est juste à côté. Je les aime pas, je vous aime pas, je vous aime pas, je vous aime pas, je vous aime pas. Est-ce que je vais monter niveau 34 avant d'affronter les anciens? Je ne pense pas. En tout cas, pour atteindre le minimum en force et de 118 pour chaque, afin de porter les meilleurs katas et mettre des runes avec. Donc, faut répartir sur 118 de force, d'accord. Voilà, ça va, là, actuellement, je suis à ça. Mana, je prends pas du tout. J'ai juste mis un point en mana, je sais pas pourquoi. Ah mon dieu! Ça fait mal, pourquoi j'ai fait ça? Ah, c'est le règne le mana. Ok, maintenant, est-ce que tu veux porter une armure légère moyenne pour recommander pour la sortie?
là actuellement sur mon assassin, je dois avoir une armure lourde. Je savais pas que t'avais une influence sur le poids. Ça c'est une première, c'est la première fois que depuis le temps que je joue à Diablo, j'ai jamais fait gaffe. Parce que là j'ai ça là, je suis avec une armure comme ça là. Et tu le vois à quoi le poids du coup? Parce que je pense qu'il faudra partir sur une armure moyenne. Attends, je vais faire un truc. Ah ouais, ça dépend du build que tu fais, d'accord. Ça, je peux savoir que c'est pour les cibles d'un coup. Ah, faudra que je regarde. Putain, cet endroit est très grand. Hein. Je disais, je vais aller affronter les anciens, mais comme je farm les ennemis. Hein. Ah, il casse les couilles, les petits là. J'aime pas les petits qui font les attaques de pique au sol là. Ah, bah j'ai monté de niveau. Bah, je disais que j'allais peut-être pas monter de niveau, mais vu que cet endroit traîne en longueur. Hein, oh putain, c'est chiant, j'aime pas quand elle convertit un ennemi que je dois frapper. C'est quoi que j'ai fait tomber? Bah du coup je vais regarder pour prendre ça. Je vais pouvoir le faire avec en butant les deux là. Un peu de PV. Dextérité. Aussi, comme t'es pas en hardcore, t'as pas trop besoin d'augmenter la vitalité. Ouais, mais... L'assassin, je vais te dire honnêtement, il y a des moments où je me prends des douilles sévères. Hein. Je suis... Mes seuls morts que j'ai là actuellement dans le jeu, c'est dans l'acte 4 et 5. Parce que Diablo, il m'a foutu la misère. Et... J'avais un peu peur. Mais t'as été juste loup toi en mode hardcore. Ah mais c'est pas comme dans Dark Souls, là t'as le temps de hit and run. Ah bah oui c'est vrai aussi. Et toi t'as fini le jeu en mode hardcore ou pas? Je t'avoue j'ai envie d'essayer la prochaine fois. Avec une classe hit and run on va dire, avec l'Amazon. Pour voir jusqu'où je pourrais aller. On a encore jusqu'en enfer, après il est mort à l'acte 1 sur Rakanishu. Ah sérieux? Ah c'est con ça. Après il faut admettre quand même Rakanishu il est chiant avec les petites attaques éclairs. Et puis j'ose pas imaginer ce que ça donne en difficulté un peu plus élevée. Vers la cave glaciale. Ouais c'est un peu bête hein. Mais je suis pas sûr, je crois que Diablo 3 quand tu meurs en hardcore, je crois que t'as une autre chance, non? Je m'en souviens plus. Restez un instant et écoutez-moi. Non! Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas envie de m'encombrer d'un truc lourd, quoi. Tu vends des potions, toi? Non, tu vends pas de potions. Faut aller voir grand-mère. Ah non, quel que soit le Diablo, quand tu meurs, tu meurs. Par contre, les objets stockés dans le coffre restent. Ah, ça, c'est bien, ça. Bonsoir. C'est un peu moins bien quand c'est ton équipement. Moi je t'avoue, Diablo 3 pour le moment j'ai toujours pas fait en hardcore.
Moi, je suis pas trop intéressé. Je peux vous aider ? Parce que c'est pas non plus mon Diablo préféré, donc... Mais lui, je le testerai bien en hardcore. Lors d'un prochain stream, je crois que je tenterai en hardcore. Pour rigoler. Jusqu'où je peux aller. Allez, tapez-vous, là. Et tape tes copains, toi. Gardez-le, ce con, il tape pas ses potes. Attends, le resurrected pour... Ouais, bah ouais. Bah pour le moment, je suis pas encore prêt de l'acheter, hein, mais... Il est où le laquais ? Brûlure de mana, lettre du fléau. Catin. Ah putain, ce nom, ça me fait trop rire. Les catins. Attention, excusez-moi, je vais peut-être éternuer dans quelques instants. Catastifié. J'ai plus de mana. Au secours, j'ai plus de mana. Le zombie va peut-être s'en relever là. Ah mon dieu, des catins. J'ai vu une potion de mana. Elle est partie où mon ombre? Elle a été tapée des gens. Putain, elle est vénère, hein, l'ombre. J'ai été tapé des gens, j'étais pas content. Des singes! Dayati! Ils sont pas dans l'Himalaya, ils sont ici. Putain, ils me cassent les couilles, c'est les mecs à pic là. Eux, je les aime pas là. Mourez! Super potion de mana. Détacher Jean-Pierre. C'est quoi le piège qui fait éclater? Est-ce que ça c'est un piège qui fait exploser les cadavres? Waouh, il fait mal lui là. Hop. D'ailleurs, t'as eu l'alpha Tadlos pour la... Pour Diablo Resurrected. Moi je m'étais inscrit mais ils m'ont pas dit bah non. Nope. Tu comptes acheter aussi Resident Evil Village? Oula, c'est quoi ça? Ah bah toi c'est pour être donné. Sensible au froid, moi. Puisque tu veux y jouer, je préfère te regarder jouer. Ouais, mais moi je vais peut-être pas le streamer parce que j'ai peut-être pas la config pour, donc
Et je l'ai essayé. J'ai des pertes d'FPS dans quand la nana avec les mouches, elle me chope. Sinon ça va, ça reste fluide, c'est très propre. Et quand la nana me chope et puis qu'elle me mord, bah je perds des FPS. Dans une qui c'est pareil. Tiens, t'es mort. Je suis trop chargé. Excusez-moi. Argent, oh. Elle est où l'ombre? Qu'est-ce qu'elle fait l'ombre? Elle est buggée ou quoi là? Pourquoi j'ai fait ça? Je l'aurais revendu. Ah, de la bouillie blédina, comme disait mon ex. Ouf. Oh! Calmez-vous, vous m'avez fait peur. Et j'ai perdu l'ombre. Elle me suit plus. Ah ah, je résiste au feu. Explorer. Parce que si le PC peut le faire tourner, je vais me l'acheter alors. Ouais, moi il peut le faire tourner. Bon, après, j'ai réglé des paramètres graphiques. Hein. J'ai enlevé tous les trucs qui étaient superflus. Mais quand la nana avec les insectes me chope, j'ai des petites baisses d'FPS. Pas quand elle tourne autour de moi. Quand elle se balade, il n'y a aucun problème. Hein. Mais c'est quand elle m'attrape. Pas tout le temps, mais quand elle m'attrape, parfois j'ai des pertes. Bah j'ai mis des screens là dans le groupe Carcasse là. J'ai mis des screens dans le groupe Carcasse, je sais pas si tu les as vus parce que Hater il demandait aussi s'il pouvait ou pas le faire tourner, s'il avait peur de pas pouvoir le faire tourner avec sa config actuelle. Et je lui ai envoyé des trucs, je lui ai dit bah écoute moi je le fais tourner. Et il y a pas de problème apparemment donc mais c'est juste que je perds des FPS quand il y a l'autre greluche qui m'attrape, quoi. J'ai pas une rultal. C'est quoi, c'est tulle? Non. Ouais, seulement à ce moment-là, ouais. Et ça me surprend quand même parce que... J'ai plaisir à vous j'ai essayé la démo. Je vais pas de trop spoiler ce qui se passe, mais à un moment, il y a une maison qui brûle. Il y a un moment, il y a une maison qui brûle dans la démo. Et ça m'a surpris que ça tournait nickel. Merde! Bon, allez, on va faire les anciens. Merde. Ouais, bah là, l'aim, il est mauvais, hein. Bon alors attention, c'est le moment je de vérité. Me montrerai digne. Parce que là, on va rigoler. Impossible. Oh putain. Attends, j'explore un peu la zone pour voir où je pourrais me barrer. Je sais que si je fais un portail, ils redeviennent des statues. Là, on va rigoler là. Choisi pour garder le monde à réacte. Où est que ce fut la pierre?
approcher. Moi, son corps comprenne son véritable pouvoir. Avant d'entrer, vous devrez nous vaincre. Bon, on va essayer de les attirer un par un. Dalik! Madawak. Ah non, Mada WC. Eh ? Bah d'accord. Nick. Erreur de script inattendue. Nick, je n'avais tué un. Ah l'enfoiré. Oh putain. Ouais, c'est une erreur. Pff. Oh putain, et puis je vais devoir taper tout le chemin. Fais chier. Ah, oh, je suis dégoûté. Ah, oh, ça me déballe là. J'étais tellement bien parti, je l'ai niqué bien leur race et tout là, et puis il faut qu'il y ait un crash. Ouais, j'espère que ça va pas recommencer. Oh putain. Puis j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui n'ont pas été faits. Erreur de script, hein, ça m'a mis. Putain, je dois tout me retaper le chemin, j'ai pas envie. Oh, ça me déballe. Erreur de script. C'est toi l'erreur de script. Parce que j'étais trop fort, le jeu il m'a dit boum, dégage. Ah, puis je me fais de me retaper la route de ces enfoirés et ça m'énerve. Ah, ça me déballe, c'est jamais arrivé de ta vie, c'est jamais arrivé, puis il faut que ça pop comme ça. Bah, yo, t'as la gueule. Ah, je suis dégoûté. Putain, on était bien parti. C'est quand on bute l'autre, pouf. Erreur de script. Tiens, meurs. Donne-moi ton fric. Je me montrerai digne. Ouais, et puis du coup, bah, il faut les refaire. J'ai l'impression que ça a pas enregistré parce que il y a des machins qui ont pas été vendus. Oh, Nick. Oui. Mais. Ah, je suis déballé, je suis énervé, je suis pas content là. Ouais, j'ai l'impression que mes trucs ont pas été sauvegardés. Bah, relax, ouais, mais c'était chiant. Je les avais presque butés. Je vais pleurer. À votre service.
Je me plains s'il veut. Le sauveur dragon peut faire ce qu'il veut. Il peut s'énerver s'il veut. Bon allez, c'est reparti. Je vais redonner de la vie à l'autre. Bah là, blabla, je connais l'histoire. Maintenant, mourrez. Bon, lui, on va le buter après parce que lui, il tombe dans tous les sens. Lui. Parce que j'ai insulté son nom. Je l'ai appelé Mada du WC. Lui. Viens ici, Mada WC. C'est même pas celui-là que je tape. Il fait rien en fait celui avec les pieds en feu là. Allez, meurs. Quand tu penses que tu les invoques que dans Diablo 3, hein. Ah, ils résistent au froid. Mais meurs! Arrête de te barrer, t'es un barbare! Baal, ça va être du gâteau, tu crois? Faut déjà passer ses conseils à la con, là. Ah, ça me fait directement monter de niveau. Attends, y'a un truc là qui va pas, là. Pourquoi mon arme, elle est en rouge, là? Attendez, y'a un truc qui va pas, là. Attendez, j'ai perdu en dégâts, là. Attends, c'est quoi ce bordel? J'ai l'impression que j'ai perdu en dégâts là. Ah, c'était peut-être la ceinture avant. Bon, niveau équipe. Par contre, je suis étonné, il donne pas de trésor. Rouge égale dégâts de feu, bleu dégâts de froid. Non, non, c'est pas ça, c'est ça, y a pas de problème à ce niveau-là. C'est juste que j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de dégâts en fait. Avant, j'avais plus que ça dans mes souvenirs. Ah, par contre, j'ai pas fait gaffe, y a la nana qui. Ah non, elle est pas morte. C'est quoi que j'ai enlevé là? Merde, comment on fait ça? J'ai enlevé un truc qu'il fallait pas. Merde. Ah, c'est Z. Bon, bah allez, hein, on va essayer. Est-ce qu'on peut faire Diablo du... J'ai prévu de m'arrêter à 4h, 4h30. Est-ce qu'on peut finir le jeu avant 4h30?
Bah allez, jusqu'à 4h30, on tente le coup. Bien sûr, j'explore à chaque fois, donc... Bon, j'ai essayé un build, là. Largement possible à 100 explorer, par contre. Ah ouais, ouais, bah ouais. Bah j'explore, donc au pire on mordra, on va durer longtemps le stream. On va faire durer le stream jusqu'à ce qu'on tue Baal, voilà. J'ai peur qu'en ayant plus de mana, elle peut frapper quand même sans le mana. Parce qu'il faut passer aussi ces types avant là. Ouf. Fumer les griffes là. En fait, du coup, si j'utilise ça et ça, ça me sert plus à rien maintenant. Bon, j'ai dit qu'on allait faire le truc jusqu'à ce qu'on le tue. Hein. On va mordre, ça va peut-être être un stream un peu long. Par contre, je suis dégoûté, ils ont rien donné les champions là, à part le truc pour monter de niveau. Ça utilise beaucoup de mana, ça, juste deux. Ah oui, c'est la musique de l'intro, là. Bon, par contre, je tiens à signaler un truc. Quand on aura fini le Diablo, il n'y a pas de cinématique de fin. Parce que mon jeu ne met pas les cinématiques de fin. Donc, on ne verra pas la fin. Je sais que je l'ai regardé sur internet quand même pour savoir ce que c'est fait, parce que je l'ai jamais vu. C'est Tyrael qui détruit la pierre monde parce qu'elle est corrompue. Ah mon dieu, il spoil le jeu. Et puis, bah voilà quoi, c'est... On ne verra pas la cinématique de fin. Vous voulez qu'on explore ou pas du coup ? Est-ce que vous voulez qu'on explore pour qu'on termine rapidement le jeu? Parce qu'après en soi c'est peut-être... Ouais non, c'est peut-être un peu mieux en fait. Go Baal direct, allez go Baal direct. La voix du bourrinage a parlé. Le sort du monde en dépend, il faut aller vite. Donc oui, en effet, il faut aller taper Baal. Mais bon, tout ennemi qui est sur notre route, on lui bousille sa gueule. Ah tu sais quoi les projectiles des nanas là?
C'est vrai que le sort de l'avenir en dépend. Nous devons aller sauver le monde. Ouf. Peut-être devoir me mettre du vol de mana. Hein. Ah putain, elle s'est collée sur le mur. Oh, il est bien fait le niveau. Hein. T'as les charges de cobra pour ça. Ah bah oui, la charge de cobra. Ouais, mais la charge de cobra, c'est pas pour les deux griffes aussi. Juste un point de don, ça suffit. C'est passif! Peu importe, ça fonctionne quand même, d'accord. Des fois, je me souviens, parce que les niveaux ils sont générés de façon aléatoire dans le jeu. Une fois, je me suis tapé un chemin, la porte était à côté. La porte pour aller à l'autre endroit était à côté. J'ai dit, bah tiens, c'est rapide. Oh, mon Dieu, un piège. C'est elle qui se le prend. Il fait quoi au juste celui-là? Double attaque des griffes, assaut 40%, dommage 80. Ouais, c'est pour faire plus de dégâts en fait. Tant pis, le portail. Il y a un portail, mais on va pas le trouver. Ah, les lutins, je les aime pas eux. Seigneur mortel. Seigneur, t'es mort. Hein. Oh. Ah putain, Nick. Il s'est épé de l'autre côté. Ouais, mais ça, je le fais à chaque fois, les TP, t'inquiète pas. Ça, pour ça, y'a pas de problème. Ah. Je les aime pas ces mobs, c'est des saloperies. Ils se TP dans tous les sens, ils se barrent, ils viennent, ils se barrent. Il me faut plus de mana. Il me faut plus de mana. Quoi, tu les lutins là?
Arrête de le convertir, faut le tuer. Voilà, tiens, meurs. Comme par hasard, c'était pas là-bas. Merde, le con. J'ai pas fait gaffe. De toute façon, dès que tu vois un endroit comme ça, tu sais que le portail est à côté. Vers le trône de la destruction, c'est ici. Je vais prévoir un TP ici sur les côtés, on sait jamais. Tuer les serviteurs de Baal. Bon, d'abord, on va tuer tous les petits. Alors là, on va rigoler par contre. Je suis un peu sceptique là au fait, parce que là, c'est surtout c'est les derniers qui vont être invoqués là. Waouh. Je me sens plus fort, bah c'est bien. Waouh, je veux bouger. Ouais, faut tuer les sorcières là, sont énervantes. Hein. Attends, ça je vais le supprimer au fait. Oh putain. Je pense que c'était lui. Ah, je suis très méchant, je rigole, je fais un rire maléfique. Ah, c'est d'abord les petits. Bah alors, tu fais pop-up les autres ? Knell, le maudit. Bon, je vais. Oh, ce rire de très méchant. Oh mon Dieu, je suis très méchant. Allez, ramène tes potes. Ah non, pas eux. Oh merde, elle s'est fait où, cette nana? Ginga de bjboung. Venez un par un, moi je vous tue. Ah, ils sont énervants. Merde, je fais pas gaffe, je mets pas mes charges. Balancer du. Tu devrais mettre en point dans le mono. Ouais, c'est vrai. Ah! J'encaisse! Je touche même pas, hein. Je touche même pas! Thank you.
coup là il est bloqué. Attendez, je vais me barrer parce que là j'ai besoin. Je reviens. Je savais que les anciens vous trouveraient digne des secrets du mont Aréat. Arrêtez Baal avant qu'il ne détruise tout ce qui est sacré. Ouais, mais là, la fin du monde en dépend. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me bousiller la gueule avec ces abrutis de gardiens, là. Il nous reste encore deux, je crois. Deux vagues. Puis après, on lui cassera sa gueule. Mais je vous avoue que là, pour le moment... Remporter la victoire sur les anciens est un exploit incomparable. Cela signifie que vous êtes prêt à affronter Baal. Du moins... Je l'espère. Ouais, moi aussi je l'espère. J'ai pas fait ça. Vous avez fait vos preuves envers ce peuple. Ces gens vous considèrent comme leur guerrier, leur champion. Salutations. Blablabla. Vous êtes un véritable héros. Et tous les espoirs de mon peuple reposent entre vos mains. Soyez-en dignes, guerrier. Bonjour. Tiens, prends ça, j'en veux pas. On va garder ça. On va garder le maximum d'objets. Et puis tout à l'heure, lui, il est en train de cuire son lapin, lui. Hein. Les anciens vous estiment digne, et nous de même. Je n'ai plus aucun doute à votre propos. Salutations, héros. Je peux vous aider? Tiens, bon, achète ça. Vraiment, je n'ai pas besoin de ça. Je peux le vendre, c'est plus petit. Tiens. C'est parti, on va recommencer. Il va pousser son rire maléfique, comme d'hab. Allez, ramène tes potes maintenant. Ah, j'ai pas ressuscité l'autre. Est-ce que je peux sortir? Je quitte B à respawn. Ouais, bah... C'est ce que je... Ah. C'est quoi kit? Vantard l'impie. Hit égale hit and run. Ah d'accord. Ok, je comprends. Excusez-moi, je suis pas doué. Ma charge elle disparaît à chaque fois que je tape. Ah bah oui, parce que j'ai plus de mana, c'est pour ça. Oh, c'est dur le hit and run, putain. Ah si, j'ai joué à LOL mais j'étais support, donc le hit and run je connaissais pas dans le LOL. Alors, hein.
Même en support, bah, ça dépendait le support que je jouais, hein. Tu sais, quand tu jouais Janna, lui, il était run. Bon, allez, on va invoquer l'autre, là. Bah, là, par contre, je vais douiller ma race, là, c'est sûr et certain. Là, j'ai un très mauvais souvenir de ceux-là. Des mecs qui vont venir, là, c'est à cause d'eux que j'avais perdu le jeu. Fais le plein avant. Ouais, je vais faire le plein avant parce que là, les ennemis là qui vont arriver, c'est les plus vénères. Donc, on va ressusciter copine aussi. Bonjour. Mais je crains le pire. Parce que c'est eux qui m'ont. C'est... J'ai jamais passé les mecs, hein. J'ai jamais passé les mecs. Pff, attention, c'est le moment de vérité. En plus, ils sont nombreux. Oui. Oui. À l'attaque! Allons-y, les enfants! Le moment est venu! Je suis très méchant, je pousse un rire maléfique! Allez, invoque tes potes là! Attention, alors là. Oh! J'avais où? Lui, t'es le run. J'essaye. Je crois que j'en ai tué un. Longe surtout pas les murs, sinon tu vas te faire encercler. J'essaie de le frapper, mais j'arrive pas. J'ai l'impression d'en tuer un à chaque fois. Purée, si j'avais ma palouf là, je l'aurais tanké sa maman. Ah bah ouais, bah j'ai deux. Ils sont trop durs. J'en ai pas tué un seul. Ah ouais, c'est clair, je leur fais pas de dégâts, hein. Le mec, je vais mettre une heure à les buter, hein. C'était la même chose avant. Regarde ça, ils ont presque rien perdu. Ouais, puis il recule à chaque fois quand j'essaie d'en taper un. Oh, mec, je vais mettre une heure, je vais jamais y arriver. Il manquerait plus qu'il se soigne, tiens. Mais recule pas! Va pas voir tes potes! Je fais que d'elle!
Au secours! Tu veux pas blesser les autres, toi, le piège là? Il se fout de ma gueule en plus, lui. Tu es balle, quoi? Hein? Quoi? Hein? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi? Bah, pourquoi je dois tuer balle maintenant? C'est normal ça? Normalement, je devais pas les tuer avant? Ouais, bah là j'ai. Attendez, je veux pas. Merde, pourquoi j'ai utilisé. Bah, j'ai utilisé un portail au cas où parce que j'avais peur de me faire frapper. Bon, on va découvrir Baal. Ouais, ça oui, y a pas de problème, ça je sais. Bon, c'est la première fois que je tape sur Baal, hein, donc je sais pas ce que ça donne. Peut-être que je vais douiller ma race, mais vu comment j'ai galéré sur les ennemis là. Essaye d'améliorer tes griffes en gamblant car ça craint, t'es dégueulasse. En gant blanc? C'est quoi gant blanc? Tu me dis des termes que je connais pas. Bonjour. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois mettre au moins une gemme ou... Ah, parier. Bah ouais, bah j'essaie de parier à chaque fois, mais je tombe pas sur des trucs. Je trouve pas sur ce que je veux. Bon, bah on va parier nos sous, hein. Du caca. Non mais parie pas à l'arrache, quoi, tu veux que... Comment... Parie les meilleures griffes. Ah, au niveau du prix. Bon, ça c'est de la merde. C'est de la merde. C'est du caca. Bah, c'est quoi que je dois acheter? Ah ouais, mais tu me dis au niveau du prix? Griffe ou Qatar, mais pas Cestus. Ouais, mais Kata 7, c'est pas énorme. Regarde, est-ce que je dois prendre celle-là du coup? Je veux dire, les Qatar comme t'es là en main droite. Donc du coup, il faut que je... Ouais, mais c'est 10 à 16, regarde, je fais 9 à 26. L'arme de Voldo, ça aussi tu peux l'acheter. Ouais, mais là, il n'y a plus rien. Elle a tout vendu son stock. Donc là, c'est bon, je prends tout ça. Ouais, mais le problème, c'est que c'est de la merde. Hein, donc, être patient, je veux bien, mais j'ai peur que... Ça, c'est bon, je peux le prendre. Ouais, c'est une serpe. Ça, c'est une serpe, hein, je peux la prendre. Hein. Yeah, ça fait 9 à 7, 9 à 17. C'est pas ouf.
Je vais finir le jeu sans avoir de fric. Je vais plus avoir de sous, t'as de l'os. Hein. Je peux plus acheter de potions. Il faut que j'y aille. Hein. Si j'ai plus de potions, je suis dans la merde. Hein. Ouais, on va prendre mon niveau. Ouais. On va taper des trucs. On va taper vite fait des trucs. De ceinture, d'accord. Fais le plein, mais avec 4 potions de monnaie et 4 de ceinture, ok. À l'attaque! T'as quoi comme armure? J'ai pas vu. Je vais te montrer après, je vais. Putain, je crains le pire. J'ai ça comme armure. J'ai ça aussi, le bassinet. Ça. Ceci. Et puis des petits anneaux. Pour les armures, ça se... Ouais, elles se vendent cher. Hein. Ton armure peut être mieux. Ouais, mais faut que je trouve une armure qui peut être mieux. Bon, Adlos m'a dit de tout ramasser par terre. Bon allez, j'ai bientôt level up. J'ai monté de niveau, allez, j'y vais. Le monde m'attend. Surtout, n'utilise pas de TP, sinon tu pourras pas venir. Ah bah oui, t'inquiète, hein, ça j'ai compris. Vite! Allons-y! Attends, lui me suit, lui, il tape lui. Tiens. Eh, crash! Ah non, c'est bon. Surtout, n'utilise pas de TP, ouais. Arrogate. Bon, tu m'as dit 4 potions de mana, 4 potions de soin. Bonsoir. Ok, bon. Voici l'Amazon, donc ça, c'est pas la peine. Allez. Alors. Ça, je vais pas les revendre, je vais les mettre en stock. C'est ce que je craignais, faire des allers-retours. Est-ce qu'il est plus dur que les mecs réunis là? Parce que moi, ça me fait peur en fait là. En fait, j'ai peur que Baal soit plus résistant que. Il est plus gérable que les mobs de tout à l'heure. Ouais, on va bien. Bah, du coup, je mets quoi J'ai envie d'augmenter mon nombre, mais. Parce que là, au statut, plutôt ton passif, ouais. Donc les dégâts dans les griffes. Hop. Bon, allez, c'est parti. C'est le moment de vérité. Bon, je mets le portail low, c'est jamais. Hein. Ah ! Alors, il est où, Baal ? Baal, où es-tu ? Je sens la puissance de la pierre monde. Il est où ? Il est où ? Il est au milieu. Attends, avant, je ramasse le pognon. Oh, elle est jolie la pierre. Waouh. Ah, il est là. Bon, il fait des pics. Il TP. Il fait du feu. Il TP.
Ah, lance-flamme. Oh, il a un drain de vie, on dirait. Invoque hein, parce qu'elle a l'aide. Prends soin tous les chars de feu ou éclair, ils résistent trop aux grandes contrôles pour ton jet. Donc il faut partir sur ça. De feu. Ah, j'ai amélioré un peu les éclairs, je crois. Waouh! Waouh, par contre elle fait mal. Attends, et la copine, on va la soigner, elle a mal. Merci à vous. À l'attaque. Merde. Là, je vais pas m'avancer, mais je le trouve plus simple que Diablo, hein. Merde, la copine est morte. Ah, pour un coup, il a dit quelque chose. Ah, j'avais oublié son double. Ah, il a un double. Ah, c'est maintenant que tu le dis, Thanos. Il a un double. Je viens de le voir. Mais c'est quel le vrai du coup? Dégâts normalement. Parce que là, c'est chelou là. Parce que là, je sais pas quel est le méchant, quel est le vrai là. Je pense que c'est celui qui reste près de la pierre monde. Papa. Bonjour. Il se soigne pas, hein. Thank you.
si dans le temps. Ah! Bon, on va pas ressusciter l'autre, hein. Ouais, si elle s'aurait fait ouais, ça s'aurait servi à rien. J'arrive pas à le toucher. Mes frères ne seront pas morts enfin. Non, non, oh oui, moi, t'as bien dit de le dire, ouais. Oh la vache, elle est énervante cette attaque par contre. Ah putain, il s'est tapé là où je veux pas, je sais pas quel est le vrai. Là, je sais peut-être pas, ça se trouve, je tape un fou. Ouais, oh, faut que je me barre. Ah, du. Bonjour. Et c'est là que le jeu il crache. Shift-clic pour remplir la ceinture. C'est à quel sujet ? Ça se voit tellement que je suis en train de galérer. Ah oui, c'est vrai, la TP joue. Il est bientôt mort. Oui, le plein de TP, exact, ouais. Et si un jour il faut faire le mode hardcore, je suis dans la merde. Là, non, 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 ma vie. Elle encaisse plus que moi, la nana. Je vais mourir. Pour les Aura Dream. Meurs. Meurs, sale merde. Tu vas rejoindre tes frères. Ah, il s'est barré, lâche. La fin. Meurs. Mais il est où? Merde, c'est lequel? C'était pas lui. Oh, bon, il meurt. Oh, c'est la première fois que je l'ai tué. La confrérie maléfique est défaite. Je ne peux rien porter de plus.
Nous avons tué le grand méchant. Bah ouais, je veux ramasser le loot, mais le... Putain, j'ai un oul. Il y a pas grand chose, hein. Il m'a vraiment pas donné grand chose, hein. J'ai pas envie de... Maintenant, il faut faire quoi? Il y a des trucs par terre ou pas? T'es prêt? C'est parce que, hein, t'es tout seul, t'es pas de Magic Find. Tout ça pour ça. Je suis très impressionné, mortel. Vous avez sauvé le monde du péril le plus grave qu'il ait jamais couru, et vous avez vaincu le dernier des trois. Malheureusement, il est trop tard pour sauver la pierre monde. Elle a été définitivement corrompue par les pouvoirs de Baal. Au fil du temps, les énergies de la pierre monde vont se disperser et les frontières des plans s'effriter. Les armées des enfers vont s'engouffrer dans ce sanctuaire et éradiquer ce que vous et les vôtres avez contribué à construire. C'est pour cela que je dois détruire la pierre monde avant que la corruption soit totale. Cet acte changera votre monde à jamais, et moi-même suis incapable d'en concevoir toutes les conséquences. Mais c'est le seul moyen d'assurer la survie de l'humanité. Partez maintenant, mortel. J'ai ouvert un portail qui vous ramènera en sécurité. Puisse la lumière éternelle vous baigner de ses rayons, vous et votre descendance, pour ce que vous avez fait aujourd'hui. La survie de l'humanité est assurée grâce à vous. Par-dessus tout, vous avez enfin le droit de vous reposer. Bon, on verra pas la cinématique. Géraldine sera désormais appelée Slayer Géraldine. Oh, c'est énorme. Ah, c'est la première fois que je finis Diablo 3 lors de... Diablo 2 Lord of Destruction. Slayer Géraldine. Ah, je peux choisir la difficulté maintenant. Eh ouais, Géraldine, les enfants. Bon, bah voilà, c'est... Bah, malheureusement, on n'a pas pu voir la cinématique, hein, parce que j'ai un bug avec le jeu, je peux pas voir les cinématiques. Attendez, le son va être cool. De toute façon, là, il n'y a pas la musique dans le jeu, donc attendez, on va peut-être... On va quand même regarder si on peut trouver la cinématique de fin. On va la regarder. Ça va être dans les dossiers. Alors, installer apt content. Ressources, macOS, ressources... Non, il n'y a pas les cinématiques. Il n'y a pas les cinématiques. Je comprends pas pourquoi j'ai pas eu les cinématiques. Oh, c'est pas grave. On va... Bah attendez, on va... Au pire, ce qu'on va faire... Si simple que ça. On va regarder la cinématique de fin quand même de Diablo 2, Lord of Destruction. Ah, attendez. Hop, oula. Désolé pour vos oreilles. Est-ce que vous la voyez? Oui. C'est parti.
Par contre, ça, le fait qu'il a détruit la pierre monde, il le fallait, ça, parce qu'il l'avait dit. Mais il paraît, enfin, dans le lore, ça a eu des méga graves conséquences dans Diablo, dans le lore. Les barbares, ils ont pris cher à cause de ça. Hein. Bah, le mont Ereat, maintenant, il n'existe plus. Ça, c'est devenu un putain de cratère. Et c'est ouf, quoi. C'est... Malgré que tout cela a permis quelqu'un... Mais je crois que dans le jeu, je suis pas sûr, dans le lore, le personnage n'est pas tout seul, au fait, le personnage que tu joues. C'est littéralement toutes les classes qui aident... Ouais, voilà, ouais, ils sont devenus des nomades, tout ça. Et dans le lore de Diablo, au fait, dans l'histoire de Diablo 2, au fait, c'est pas... c'est pas un seul et unique personnage, c'est toutes les classes du jeu, au fait, qu'ils ont vaincu Diablo et Baal. Quand il y a eu Baal, ils ont été rejoints par l'assassin et le druide après, quoi. D'ailleurs, il y a dans Diablo 3, il y a une quête dans Diablo 3 qui te... où t'es un nécromancien là, pour quelques quêtes. Là. Le nécromancien, à un moment, quand tu trouves un de ses récits, il parle justement du nécromancien. Bah, il parle de lui, quoi. Le nécromancien est dans le jeu, lui. Après, pour le reste, je sais pas. Je crois que la sorcière parle. Je crois que la sorcière parle rapidement d'elle. Mais je suis pas sûr à 100%. Après, pour le reste, bah, que dalle, quoi. Un saint homme. Coup de pied. Aïe. Vous croyez qu'ils vont refaire les cinématiques? Pour Diablo Resurrected, je pense, hein. Parce qu'avec les moyens qu'ils font maintenant, avec les belles cinématiques qu'ils nous font, Blizzard, y a moyen de faire des trucs méga classe. Hein. Y a moyen de faire des trucs méga classe. Je pense qu'ils les referont un minimum quand même. Après ça, nous verrons bien. Bon bah voilà, du coup c'est la fin du stream. Je suis étonné que... Les monstres là, les mecs sont conseillés à la con là, on n'a pas eu besoin de les tuer. Et j'avoue quand même que Baal il est moins dur que Diablo, je trouve. Diablo, moi j'en avais chié. Hein. J'en avais chié. Je l'ai trouvé un peu galère, moi, Diablo, personnellement. Moi. Mais bon. En tout cas, Tadlos, merci pour les conseils que tu m'as dit pendant la bagarre. C'était marrant, c'était cool. Moi, je vous dis bah, à bientôt pour un prochain stream. Le prochain jeu que je streamerai, je sais pas ce que je vais faire. J'avais dit que j'allais faire Torchlight. Torchlight, ça serait un Diablo comme... bah, c'est comme Diablo, Torchlight. On verra bien. Peut-être du Alice Madness Retourne et peut-être aussi du Soul Calibur. En tout cas, ce jeudi, il y aura l'event ETL. Ça, c'est sûr. Donc, il y aura le 21h, l'event ETL de Soul Calibur, Dark Love. Par contre, je ne sais plus contre qui, honte à moi. Après, moi, je suis juste la régie, je m'occupe pas des guerres entre les clans. Et bon, voilà, on va bien voir comment ça... Je sais plus, je crois que c'est Idol. Je crois que c'est les Idol. Ou Tao Kaka, l'équipe de Tao. Je ne m'en souviens plus. Tadlos, il n'y a que toi qui peux me le dire. Dark Love versus Biggies. Ah oui, les abeilles. Oui, Biggies. Comment on dit? Baguez ou Big Eyes ou Biggies? Ouais, les abeilles. Ouais. Avec des skins assez marrants en plus. Les skins, ils sont drôles. Bigas. Bon, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'être passé pour le stream. On a vaincu Baal et ses frères. C'était cool. C'était une aventure sympathique. C'était la première fois que je le termine. Mais je suis étonné qu'en fait, tu vois, je peux pas mettre les cinématiques. Tu vois? Je ne peux pas. Voilà.
Bon, bah sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain stream. On verra bien ce qu'on fera. Hein. Quel jeu. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Merci d'être passé. Bye bye, c'était cool. Ciao.